de retour avec vous sur youtube chers amis en ce dimanche 31 décembre 2023 18h30 18h39 heure du québec 2024 commence demain ça va être une année une année complètement cinglée avec une élection présidentielle aux états unis qui aura lieu ou pas on le sait pas tout peut arriver et quel sera le résultat si cette élection-là a lieu. Ça va être important aussi parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir un rematch à moins d'événements dramatiques qu'on ne souhaite pas entre Joe Biden et Donald Trump et ça va être comme une guerre ou un pas une guerre, mais un, un combat à finir entre on pourrait la qualifier de Guerre à finir ou combat à finir entre le globalisme, le mondialisme et Donald Trump. Parce que c'est juste Donald Trump qui représente l'anti-globalisme et l'anti-mondialisme. 99,999% des républicains sont dans le sac, comme on dit, sont dans le bag. Et sont tous globalistes et mondialistes, comme les conservateurs au Canada. Comme les conservateurs en Angleterre, comme les conservateurs en France, comme partout ailleurs, Donald Trump est unique. Et c'est pour ça qu'il fait. Euh, c'est pour ça qu'il est victime d'attaques comme tu les vois en ce moment, comme tu n'as jamais vu auparavant. Et le système veut complètement, complètement l'écraser, l'éliminer carrément, puis je ne serais même pas surpris qu'un événement dramatique arrive. Avant l'élection de 2024. Que tu l'aimes ou non, c'est pas vraiment important. Ce que Donald Trump représente, c'est unique. Tu le retrouves nulle part ailleurs. Que tu aimes le personnage ou non, c'est pas important. Ce que tu dois reconnaître, c'est que Donald Trump a changé le monde. Que tu le veuilles ou non. Que tu l'acceptes ou non. C'est pas un Justin Trudeau qui a changé le monde. C'est pas un Emmanuel Macron, non. Changer le monde. Les autres ils changent le monde seulement quand ils sont ensemble dans la même chambre. Mais à part de ça, ils ne changent pas le monde. C'est ni des... À l'époque, Angela Merkel, totalement globaliste et mondialiste, c'était comme. Ou peu importe quel autre politicien va te venir en tête. Le monde dans lequel tu es en ce moment est le résultat de l'apparition de Donald Trump en politique. L'éveil face aux médias, l'éveil face à l'idée que les médias, ça appartient aux corporations, puis qu'ils ne sont pas là pour te renseigner. Ils ne sont pas là de ton côté. Ils sont là pour t'endoctriner et te contrôler et te démoniser si jamais tu sors des rangs. Puis ça, c'est que tu sois démocrate, républicain, communiste, socialiste, euh, vert, tu es obligé de te rendre compte de ça. Le monde a changé. La politique, la... c'est complètement cinglé, là, ce qu'on vit. Ce qu'on vit est une gracieuseté de Donald Trump. Avant ça, surtout que la présidence de Barack Obama, qui en passant est le cousin lointain de George W. Bush, tu peux comprendre que Barack Obama, n'est pas un hasard qu'il soit arrivé là. Barack Obama, c'était juste une image qu'on voulait projeter pour vraiment endormir le monde, les mettre sous un effet d'anesthésiant. Puis je peux te dire une chose, ça a marché. Le monde était complètement anesthésié, moi le premier. Endormi, dur, dur, dur. Comme on dit par chez nous, gazé. Vraiment gazé. Puis c'était juste ça. Quand tu t'en vas voir, Sam Hinckley, qui était un Britannique, qui était associé à une église protestante puis qui a dû fuir, qui s'est installé aux États-Unis au milieu du 17e siècle ou quelque chose comme ça, a eu des descendants. Dans ses descendants-là, t'en as, as trois qui sont cousins et éloignés Brad Pitt, George Bush, Dick Cheney, un quatrième, celui avant que je l'oublie, et Barack Obama. Là, tu dis Barack Obama, c'est un Africain. Barack Obama, c'est pas un Africain, là. Ben, il y a une partie de lui qui est africaine. De son père, Barack Obama senior, qui était du, euh, du Kenya, je pense, qui a marié. Anne Dunham, une Canadienne blanche, la mère de Barack Obama. Puis tout ce bon monde-là était déjà impliqué dans la CIA. Ce n'était pas du monde qui arrivait de nulle part. Ce C'était pas du monde ordinaire dans les gros systèmes financiers, banquiers mondiaux et de la CIA, des services de renseignement. Se sont séparés. Madame a remarié, s'est remariée avec un dénommé Lolo Sotoro. Puis ça, c'est tout sur Google. Il n'y a rien qui est d'invention là-dedans. là ça ne fait pas l'affaire du monde d'entendre ça. Ça ne fait pas l'affaire de ceux qui sont englobés, puis enveloppés, puis anesthésiés par le système, puis qui ont encore confiance, parce qu'il y a du monde encore dans la population qui a encore confiance dans la politique, les politiciens, puis les médias, et les artistes. Mais, qu'est-ce que tu veux, chacun fait son cheminement à son propre rythme. Lolo Sotoro, un Indonésien, magnat du pétrole, un des... 10 plus riches à l'époque, euh, personnages du monde avec la Standard Oil, proche allié naturellement de la famille Bush, entre autres, qui était déjà dans le pétrole. Et tous ces beaux monde là sont reliés de façon euh, héréditaire par le sang avec Sam Hinckley. Dick Cheney. George W. Bush, Brad Pitt et Barack Obama, via sa mère, Han, euh, Anne Dunham. Donc, elle a remarié Lolo Sotoro, qui, selon plusieurs rapports, aurait été impliqué dans le massacre de 500 000 Indonésiens durant la guerre d'Indonésie. OK? C'est pas rien, là. Il aurait laissé une fortune dans un compte en fidéocommis, naturellement à l'abri du fisc américain. En Indonésie avec trois bénéficiaires, dont un de ces bénéficiaires-là qui serait Barack Obama. C'est ce qui a fait qu'en 2019, je pense, ou 2018, il a sorti ou il a déclaré 400 millions euh, de dollars euh, dans ses déclarations de revenus. C'est ce qui a permis aussi probablement d'acheter Martha's Vineyard, un domaine de 35-40 millions sur euh, l'océan, sur la mer, lui qui avait dit pendant sa présidence que la montée des eaux, c'était une des plus grandes menaces de l'humanité. Et Barack Obama est devenu président tout de suite après George W. Bush. Tout le monde se rappelle de l'image de la vidéo qui a tourné au décès de George w. w. Walker, le père. Donald Trump était encore président, je pense que c'est 2019 peut-être. Et où Barack Obama et Michelle Obama sont arrivés et. George Bush, le fils, a remis un bonbon à Michel Obama parce que c'était comme une tradition dans la famille. Puis ce monde-là se connaît, là, ils sont cousins. Il y a des photos qui ont circulé de Barack Obama à 8 ans ou 9 ans sur une petite voiturette de golf, puis assis à côté de lui, George W. Bush. OK? Le, 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 le fils, pas le père, naturellement. Et des photos de George W. Bush, le père, Walker, avec Lolo Sotoro, qui était le beau-père de Barack Obama, en train de jouer au golf, puis naturellement, en train de parler de pétrole, puis de négocier du pétrole. Donc, il n'y a, a rien qui arrive au hasard, là. C'est pas quelqu'un qui sort de sa petite ferme, qui est là, puis qui va se présenter, puis qui va être élu. Ça n'arrivera jamais, ça, là. Puisque est, tout est filtré. Avant que tu arrives là, mon chum, pour être candidat, d'abord, tu as besoin d'être la bonne gang, choisis, puis tu ne viendras pas perturber le système avec tes idées révolutionnaires. Okay? Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est important de faire des mises au point comme celle-là pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe. Donc, que tu le veuilles ou non, il n'y a plus rien qui est pareil depuis que Donald Trump est arrivé en politique. Est-ce que ça a été planifié, est-ce que c'est voulu Moi je ne sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible parce que il y a eu tellement puis encore tellement de distractions autour de ça que toute l'agenda mondial, globaliste et mondialiste y avance à une vitesse grand V. Grand V peut-être à cause de ça. Peut-être que c'était tout planifié. Cette campagne électorale, puis Donald Trump qui est en tête des sondages, il écrase tous ses, ses opposants à la course républicaine. C'est comme si c'était une joke, là. C'est une joke. Les autres qui sont là, si tu te demandes même pourquoi -ce ils ce qu'ils sont encore là, c'est parce qu'ils font de l'argent. Sinon, il n'y a aucune règle. Ils savent très bien qu'ils n'auront qu aucune chance de gagner l'investiture républicaine. Mais aucune. Aucune. Face à quelqu'un qui est. Donc, le ciel envoie des accusations à tous les jours sur la tête. Puis plus il reçoit des accusations sur la tête, plus il monte dans les sondages. Parce que le monde n'est pas stupide, puis ils se disent c'est tout de la bullshit. Donald Trump, qui a été président quatre ans, il n'a même pas pris son salaire. Puis pendant qu'il était là, c'était quand même, le monde allait quand même assez bien, là, si on s'en rappelle. C'est lui qui reçoit plein de. Ça lui tombe sur la tête à tous les jours comme une pluie. Un déluge, les accusations. Criminelles, pas criminelles, civiles. Puis tous les autres politiciens qui sont des politiciens de carrière, qui sont tous des marionnettes, puis qui s'en sont mis dans les poches, puis qui ont des salaires. Ils sont tous, si tu t'en vas, sûr. Des sites financiers, puis même sur Wikipédia, je pense que tu peux trouver. Juste, on prend les Américains, là, puis le Congrès américain, puis les sénateurs américains. C'est tous des multimillionnaires. Il n'y en a pas un qui est au nu là. Ils ont pris cet argent-là, où? Puis ils ont toutes des informations avec la bourse à l'avance. Même Nancy Pelosi, qui vaut des centaines de millions de dollars. Joe Biden, des centaines de millions de dollars. Puis cet argent-là, il n'est pas clean, là. Barack Obama, des centaines de millions. De, 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 on ne sait même plus combien ne peut même plus compter leur fortune. Puis ce monde-là est à l'abri de tout. Mais Donald Trump, qui est arrivé milliardaire, il n'a même pas pris son salaire de président. Il était là quatre ans, attaqué pendant quatre ans pendant les médias, par les médias de, du monde entier. Puis c'est lui qui il est entouré, puis il est enseveli sous les accusations. Donc, ça peut être juste du cinéma, comme ça peut être vrai aussi. Je ne sais pas si je suis là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Mais la seule chose que je sais, puis que vous savez aussi, c'est que le monde n'est plus pareil. Est, tout a changé. Tout a changé. Puis là, tu te retrouves dans un espèce de cul-de-sac. Comme quand ton abcès est tellement, tellement, tellement gonflé, puis il est tellement douloureux qu'il faut que tu le crèves. Puis ça, cet événement-là de crever l'abcès, ça va avoir lieu si les élections se tiennent au mois de novembre prochain, 2024. C'est une année qui sera inoubliable pour tous ceux qui suivent l'actualité, puis même ceux qui ne la suivent pas. Indirectement, tu vas être touché par ça. Parce que ça, c'est sans compter tout le reste qui se passe avec ça, au niveau cosmique, au niveau climatique, au niveau environnemental, au niveau financier, économique, au niveau... Politique, de l'équilibre politique au niveau militaire, c'est hallucinant. Tout ce qui s'en vient là, on n'est pas préparé, on n'est pas équipé pour ça. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, une année chargée comme celle-là, puis tous les changements qui s'en viennent. On n'a jamais vu un monde contrôlé comme le monde est contrôlé aujourd'hui, par une petite mafia qui pense qu'à elle, par des gens qui ne sont pas élus, qui imposent toute l'agenda. Tu penses au complexe industriel, c'est lui qui contrôle tout l'univers, toute la planète. Puis là, ils en ont pas assez, ils veulent aller dans l'espace pour aller chercher plein de richesses dans l'espace. Il y a apparemment sur chaque météorite, comète, il y a tellement de richesses de minéraux. Puis là, ils vont commencer cette année, une entreprise privée, à aller extraire. C'est eux autres, tous des organismes. Toute la classe aristocratique, c'est elle qui gouverne, n'est pas élue. Klaus Schwab n'est pas élue. Bill Gates n'est pas élu. Puis toutes les autres, je les oublie, là, il y en a tellement. Il n'y a personne de ce monde-là qui est élu. Puis c'est eux autres qui imposent notre mode de vie, c'est eux autres qui nous imposent les modes, c'est eux autres qui nous imposent comment on va vivre. Puis tu te demandes pourquoi le monde est frustré? Parce que c'est toute l'aristocratie qui surtout déteste que toi tu sois dans un confort quelconque. Parce que l'aristocratie, il n'y a que elle qui peut profiter de tout. Et là, elle est vraiment pas contente. Qu'au fil des dernières décennies, une classe moyenne, même dans les pays pauvres, qui s'est développée. Donc c'est tout du monde non élu. Tu te demandes pourquoi un gars comme Donald Trump a été si populaire, puis encore très populaire, puis pas juste aux États-Unis. Moi, j'ai des amis en Inde, au Pakistan. Là, puis je travaille avec eux autres dans la restauration. Puis, ils sont tous amoureux de Donald Trump et de son attitude. Perdu... Trouve-moi quelqu'un qui aime Justin Trudeau, toi. Même un gauchiste. Même un libéral, il n'est pas capable de le supporter, ce gars-là. Parce que c'est tordu. Parce que tu avais, à une époque, du bon sens, de la rationalité. Tu pouvais être libéral, mais... Tu sais, c'est parce que... Pas envoyer le monde dans le wokisme, dans la folie du genre, dans la folie de, du CO2, dans la folie de... Non, c'est fini, il n'y en a plus, il n'y a plus de rationalité avec ce monde-là. Même des gens que je connais qui sont, tu pourrais qualifier de centristes, ils se disent, mais ça ne me représente pas ce monde-là. Moi, je ne suis pas un wokiste. Je n'ai pas envie de tomber dans les, les guerres de genre, les guerres de ceci, les guerres de cela. Puis c'est ce que les... Politicien de cette tendance politique en fait. Donc, tu assistes à deux spectacles tout créés par l'aristocratie qui veut nous diviser puis nous voir diviser. Parce que si on était unis, eux autres, ils seraient pas mal moins forts puis moins puissants. Mais comme on est divisé puis on est aveuglé autant du côté des conservateurs républicains que de l'autre côté, eux autres, ils sont morts de rire puis ils continuent à nous dominer, pas à nous dominer, puis à s'en aller à la banque déposé toujours dans le même camp. Donc, que tu le veuilles ou non, tout a changé, mais 2024, il va y avoir quelque chose de... parce que ça va être la fin de Donald Trump, là. Puis de cette espèce de résistance qu'on pourrait appeler, peut-être. Ou... Qu'est-ce qui va arriver après ça? J'aime autant pas y penser. Tu as vu comment là, ça bouille, ça bouille, ça bouille, ça bouille. Ouf, 2024, si tu pensais que 2023, 2022, que la pandémie avait changé ta vie, attends 2024. Les autres, ils sont là, ils attendent juste ça. Ils ont préparé la table. C'est tout un spectacle qu'on a monté de toutes pièces, peut-être ou pas. Mais la finale, c'est l'élection présidentielle américaine. Et j'aime autant, même pas. Essayez d'imaginer la finale, la conclusion de ça. Que ce soit un ou l'autre qui gagne. Là-dessus... Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Puis je vous reviens avec une nouvelle assez pétillante de Xi Jinping et de Taïwan et d'un discours euh, pas très rassurant. Je vous reviens.